Donc on s'attaque au principe de Le Châtelier avec les exercices de déplacement d'équilibre. Donc avant, on va revoir ce qu'il faut pour qu'une réaction chimique aboutisse à un état d'équilibre. Donc il faut que deux réactions puissent se dérouler en sens inverse. Donc il y a un sens direct et un sens inverse entre des réactifs et des produits. Donc les produits peuvent eux-mêmes être des réactifs d'une réaction inverse. Et pour ça, il faut que les deux sens soient thermodynamiquement possibles. Donc, les facteurs thermodynamiques qui peuvent favoriser une réaction, c'est une variation d'enthalpie négative. Donc, je rappelle que l'enthalpie, c'est la lettre H, c'est l'énergie chimique interne, la quantité d'énergie qu'il y a dans les liaisons. Quand vous avez des réactifs qui sont plus élevés en énergie que des produits, donc vous avez une variation d'enthalpie qui est négative. Et dans ce cas-là, en fait, vous avez des produits qui sont plus stables en énergie. Et ça, c'est quelque chose de favorable. Donc, c'est comme les pierres en haut de la montagne qui ont tendance à descendre de la montagne, n'ont pas tendance à y remonter toutes seules. En chimie, c'est pareil. Les molécules chimiques cherchent plus de stabilité. Et donc, ça, c'est quand de l'énergie thermique est libérée dans le milieu. Donc, une variation d'enthalpie négative, c'est quelque chose d'exothermique et ça, c'est favorable. Donc, des facteurs qui favorisent. Une autre façon d'avoir une réaction qui aura tendance à se dérouler, donc c'est. On ne va plus regarder maintenant l'enthalpie, on va regarder l'entropie. Alors l'entropie, c'est une mesure du désordre. Alors en chimie, le désordre, il augmente entre les solides qui sont très rangés, très ordonnés et qui ne bougent pas, les liquides où il y a un déplacement, mais où les molécules se tiennent, enfin se touchent quand même, et le gaz qui est l'état le plus désordonné possible. Et donc il y a aussi des tables avec des valeurs d'entropie. Et donc, si jamais vous allez vers plus de désordre, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose aussi de spontané du désordre qui augmente. Donc, quelque chose de favorable, ça va être vers plus de moles de gaz. Donc, on peut peut-être l'écrire en vert. Les choses qui favorisent, c'est exo, c'est favorable, et vers plus de moles de gaz, c'est quelque chose de favorable. Alors, si jamais vous avez deux choses favorables, si vous avez une réaction que vous écrivez l'équation, qui est exo et vers plus de moles de gaz, dans ce cas-là, la réaction sera complète, parce que vous aurez un facteur favorable et l'autre facteur favorable dans le même sens. Si jamais vous avez deux facteurs défavorables, une réaction endo, où vous demandez de capter de l'énergie, et vous essayez de faire des produits qui sont moins stables, donc vos produits sont moins stables que vos réactifs, et donc là, vous devez prendre de l'énergie thermique au milieu, ça, c'est pas spontané. Donc, endo, c'est quelque chose de défavorable au point de vue des, thermodynamique. Et donc, et en plus, si la réaction que vous essayez d'écrire va aussi vers moins de moles de gaz, donc elle se range toute seule, dans ce cas-là, ça ne va pas pouvoir se faire. À la fois, le facteur énergétique et le facteur entropique va être défavorable. Donc, la réaction va être impossible, ça ne va pas pouvoir se faire. Aucun des facteurs ne permet la réaction. Alors maintenant, si vous écrivez une équation où un est favorable et l'autre est défavorable, donc vous n'avez un seul facteur favorable. Donc par exemple, une des possibilités, c'est d'avoir quelque chose d'exo, ça c'est favorable avec les produits plus stables, mais quelque chose où vous avez moins de gaz. Vous voyez, j'ai dessiné un tableau, un ballon plus petit, et donc dans ce cas-là, vous avez un facteur vert et un facteur rouge pour la réaction. Donc si on regarde sur une équation avec des réactifs et des produits, et on voit que quelque chose est favorable au niveau énergétique, donc c'est exo dans ce sens-là, et donc vos produits vont recevoir, enfin vont être formés avec de l'énergie. Donc une réaction exothermique libère de l'énergie avec les produits. Et donc ça c'est quelque chose que j'écris en vert, c'est favorable. Par contre, le facteur désordre, on a dit qu'on n'avait qu'un seul facteur favorable, est défavorable. Donc dans mes produits, j'ai moins de gaz. Donc ça j'écris en rouge, c'est défavorable. Et donc la réaction va se dérouler, mais elle ne sera pas complète. Pourquoi elle ne sera pas complète? C'est parce qu'en fait, si vous avez une réaction qui est exo dans le sens écrit, mais regardez-la un petit peu dans l'autre sens, si vous allez de produits, que si vos produits sont maintenant vos réactifs, hein, donc si vous avez besoin d'énergie pour qu'une réaction se déroule, elle va être dans l'autre sens, elle est endo dans le sens inverse. Donc une réaction exo dans un sens est endo dans l'autre. Et si vous avez moins de gaz à droite, ben vous avez plus de gaz à gauche. Et donc, votre réaction va pouvoir avoir lieu dans les deux sens. Vous aurez un facteur entropique ici, qui va permettre la réaction à gauche, et un facteur enthalpie qui va permettre la réaction à droite. Donc, vous imaginez bien que ça va pouvoir être la même chose si les facteurs inverses,
sont favorables et défavorables. Donc si nous avons un facteur énergétique défavorable, quelque chose d'endo, donc vos réactifs ont besoin d'énergie, mais par contre, vous avez plus de gaz. Donc ça, c'est favorable au sens direct, au niveau entropique. Et maintenant, on va regarder le sens inverse. Comme ça, si vous avez les molécules de droite qui redonnent des molécules avec de l'énergie, le sens inverse ici, il est exo. Donc le sens direct, il était endo. Et donc, pareil, si vous avez plus de gaz à droite, vous avez moins de gaz à gauche. Vous avez chaque fois un facteur qui vous permet d'avoir la réaction dans les deux sens favorisés par un des facteurs. Là, donc, quand vous avez une réaction à l'équilibre, un sens est favorisé par une variation d'enthalpie favorable et l'autre sens est favorisé par une variation d'entropie favorable. Ici, c'est la variation d'enthalpie qui est favorable pour le sens direct et la variation d'entropie qui est favorable pour le sens inverse, tandis qu'à droite, c'est la variation d'entropie qui est favorable au sens direct et la variation d'enthalpie qui est favorable au sens inverse. Donc il y a un favorable, un défavorable. Donc pour chacune des réactions aussi, un facteur est défavorable. Donc pour le sens direct ici, l'entropie est défavorable et pour le sens inverse, c'est l'enthalpie qui est défavorable. Et il y a la réaction qui est proposée à droite, l'enthalpie est défavorable dans le sens direct et l'entropie est défavorable dans le sens inverse. Donc vous remarquez que pour chaque sens, un facteur favorable, défavorable.